Alléluia. Dis à Dieu, parle. Les ordonnances
Et j'ai écrit pour leur instruction. Qui écrit ici? Ah, on a commis. Oh, je voulais te poser la question. C'est que Dieu aussi écrit, non? Pour qu'on ait des hommes et des hommes. Toujours dans le livre des autres, le chapitre 31. Vous savez, quand Dieu est déjà là, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut laisser Dieu agir. Exode 31, au verset 18, nous lisons lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna le détable des témoignages. Table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Le chapitre 18, le chapitre 32. Le verset 18 et 19. Moïse répondit. Mon cher Henri, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Et ça vient à quel est le balongami. Que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le vent et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il se jeta, de ses mains les tables. Et les brisa au pied de la montagne. Le verset 21 dit, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple? Pourquoi Dirais-je laisser commettre un si grand péché? C'est que dans les Écritures, il y a aussi un grand péché. Amen. C'est la Bible. Soyez bénis. Nous prenons la dernière lecture, Exode 34, avant que tu t'assoies. Le verset 32. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières. Et qui écrivait les paroles qui étaient sur les premières que tu as prises. L'Écriture dit, verset 4, Moïse taille deux tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de mon matin et monta sur la montagne de Sinaï. Selon l'ordre que l'Éternel lui et il prit dans sa main le détable de pierre. Tu peux t'asseoir. Moi, le bien-aimé, merci de continuer mon lecture. Romains chapitre 6. Quand je dis Romains 6, ceux qui viennent au culte comprennent déjà. Le verset 3 à 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, vous allez pourquoi ça n'était plus sur les bases aujourd'hui les baptisés dans Jésus-Christ. C'est que ici le baptême s'est fait en Jésus-Christ. Ah ouais, tout ceci était les baptisés sur les magasins à quatre Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est comme prêchait les apôtres. Jésus-Christ au manteau à la terre. Parce que le frère Paul a dit qu'il y a un autre Jésus. Mais de comment Paul a lui dit Jésus-Christ. Ce sont des choses qu'on a dit. Ils ont pas compris nos mains. Soyez bénis. Pour la parole bien. Mais Jésus les assemblées des saints. Yes, il y a ma sana basant. Il est différent de Jésus du voisin. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. En sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même nous aussi.
Nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu peux ajouter à cette écriture Proverbes chapitre 26. Le verset 2e. Comme l'oiseau s'échappe, le légende qui a pogné au caca. Tu connais bien le verset, non? Oui, tu connais mon malin. Quand une hirondelle s'envole, le légende qui a pogné au caca. Ainsi la malédiction sans cause. La bombe qui a été le zanatina. Et sans effet. Et ça, t'as un goût à mon côté. Je dirais maintenant que tu salues ton voisin. Allez, si tu vas au pays, ça te voit, ça te met en beauté. J'ai lu la malédiction sans cause et sans effet. Et puis c'est Pilatelli, ma père est zanatina. Et ça n'a effet, mon côté. Jésus est merveilleux. Il est sans amour, mais. J'aimerais d'abord t'exhorter en disant, l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Selon cette écriture, il faut d'abord s'approcher du trône de grâce. Ne te dérange pas. L'évangile éternel nous permet de définir un mot de la Bible par une écriture. Soyez bénis. Matthieu chapitre 5, le verset 34 dit que le trône est céleste. Pour être secouri, il faut s'approcher du ciel. Et que le Seigneur te bénisse. Parce que toi, tu t'es approché du ciel. Tu es venu devant le trône de grâce. L'écriture donne une promesse. Il commet le péché et la femme. Tu dois être secouru dans tous tes besoins. Et bon, il y a un souvenir à bosser. Il faut bien lire la Bible. Et bon, il doit être secouru dans tous tes besoins. Parce que quand on vient ici à l'église, nous venons vers les maris. Il n'y a pas à mon pas. Ce qui tous nos désirs doivent aller vers lui. Il n'y a pas à moi, puis pas aussi, quand je suis venu, qui est béni. Que le Seigneur vous bénisse. Or, en réalité, le secours, ça ne vient nulle part ailleurs que par la parole. Vous connaissez les cantiques populaires? Oui, mais le M. Somme chapitre 107 et 19 en fait. On va dire que mon camarade en plus, on est en train de faire angoisse. Quand on a passé le tout, il est renvoyé sa parole. La parole, sa parole lui guérit. Il va avoir vite, il va être sa parole. Dans le livre des Actes des Apôtres, précisément au chapitre 16, un jour le frère Paul s'endort. Il est en train de voir dans son songe un Macédonien. En train de lui dire, secours-nous. Directement il s'élève. Il comprend. Que les secours dont les Macédoniens ont besoin, et les souvenirs, ce n'est pas d'abord l'argent. Il dira dans cette écriture, nous devons nous lever pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Et donc, c'est que ceux qui apportent les secours, c'est la bonne nouvelle. Que le Seigneur te secoue, c'est la bonne nouvelle. Depuis son trône de grâce qu'il te donne, dans le nom de Jésus-Christ. C'est que le monde ne peut te donner, mais le Seigneur te le donne. C'est que le monde ne peut faire pour toi, mais le Seigneur le fasse pour toi. Parce que tu viens approcher du trône de grâce. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Nous sommes au point où
Nous décortiquons le fait que Jésus, c'est lui l'oiseau qui s'échappe. Il s'échappe de quoi? De la mort. De la mort comme filet. On n'a pas raisonné. Somme 18, le narcissisme. Il s'échappe de la mort. En notre terme, s'échapper signifie c'est sauver. Et ça signifie aussi vaincre, frère. Donc Christ a vaincu la mort. Mais nous avions dit ceci. Sa victoire devient notre victoire. Si nous sommes une même plante avec elle. Si nous devenons comme lui. C'est comme ça, frère, vous remarquerez. Même le frère Jean dit dans 1 Jean 4. Vous petits enfants. Vous êtes des dieux. Très bien. Parce que dans notre version, on dit vous, petits enfants, vous appartenez à Dieu. C'est-à-dire l'appartenance à Dieu a une conséquence. L'individu, vous les avez vaincus. Ce n'est pas parce que vous êtes forts. Car c'est lui qui habite en vous. Un plus grand que celui qui est dans le monde. C'est comme ça que nous sommes allés dans l'ombre. La victoire de David dans 1 Samuel 17. Devant Goliath, était directement la victoire de tous les temps d'Israël. C'est comme ça, frère, que nous comprenons que quand Moïse tue l'Égyptien, dans son épreuve, le plus joyeux célébré qui était maltraité. Donc aujourd'hui, l'Église doit se sentir joyeuse parce que Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu le diable. Mais attention, est-ce que cela nous empêche de combattre? Non. Parce que dans 1 Samuel 17, quand il y a un autre travail qui s'est fait, la prophétie m'appelle, mais qu'elle attend des bleus. Soyez bénis au nom de Jésus. David tue Goliath. Mais quand il tue Goliath, il y avait quelques Philistins. Qui voulait s'échapper? L'autre fille donnée afin que tout Israélite puisse poursuivre les Philistins. C'est comme ça que nous avons dit. La force des Philistins, c'est Goliath. Si seulement Goliath est homme, tous les Philistins, frères, sont à ta merci. Même si tu n'es pas fort, j'appelle le frère Élie. Soyez bénis au nom de Jésus. Remarquez que Élie est sur la montagne. Précisément dans 1 Roi chapitre 18. Il est en train de défier le diable. Parce que le diable était représenté par les prophètes de Baal. C'est la question que le feu descend de frère. Mais attention, le véritable feu n'est pas le gaspillage que les voisins font. Avant que le véritable feu ne descende, attention d'abord, ce feu-là descend du ciel. Il faut faire très attention. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est que dans la prophétie, nous sommes aussi ensemble avec l'ange qui est avec lui la s'asseoir. Il faut faire très attention. Que le Seigneur vous bénisse. Il est avec lui la s'asseoir.
Maintenant, j'ai remarqué avant que le feu ne descende. Il faut d'abord que Élie rétablisse l'autel. Le rétablissement de l'autel. Donc vous entendez par-ci, par-là. Ce n'est pas réellement ça. Le rétablissement de l'autel. C'est le respect des enseignements des apôtres. Là où on respecte les enseignements des apôtres, le fait est permanent. Soyez bénis au nom de Jésus. Là, on respecte l'enseignement. On doit voir le feu de l'esprit. C'est-à-dire, on vient aussi au culte comme ça. Le Seigneur nous parle. Il nous dit, je vous connais. Soyez calme. Vous verrez bientôt les Égyptiens que vous voyez. Vous ne les verrez plus jamais. Il ne faut pas négliger les dons spirituels. Je vous dis la vérité, frère. Il y a des endroits où tu ne vas pas évangéliser avec voilà pourquoi. C'est comme moi l'affaire. Je suis déjà à deux doigts de gagner un couple de 5 et derniers jours. Na komi pepe na kolonga couple moko ya bandimi ya les 5 derniers jours. On dit plus quoi ça là? Il attend seulement que tu déclares que Dieu te donne les enfants et la couche calmement. Voilà pourquoi nous refusons sur la chair les répétiteurs. C'est pourquoi tu as dit que pour Nicolas et tout, mais le bateau a sauté là. Quand tu passes devant ici, vous allez connaître quoi? Il faut être comme Ézéchiel. Il faut être sûr que Dieu t'a fait avaler le boulot. C'est pas des syllabus, c'est pas des cassettes. Et ça, c'est que tu as une cassette, tu as une cassette. Tu as fait avaler les roues. Tu as fait avaler ça. Quand tu as fait avaler ça, au temps opportun, tu pourras dormir. Na as fait avaler le roues. Amen. 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 C'est pourquoi nous n'avons pas l'habitude de venir prêcher avec des journaux et papier. Alors, si on ne l'évole dans le bis, tu viendras ici commencer, frère, tu n'as pas de problème. Que Dieu te bénisse. Que le trône de grâce te donne ton besoin au nom de Jésus. Que le trône de grâce te donne ton besoin. Alors nous savions qui nous sommes les mêmes plantes avec Christ. C'est comme ça que Moïse m'a appelé depuis le matin. Bon, et je vais répondre à son appel avant de descendre ici. Mais étant en conformité avec Christ, nous savions que nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. C'est-à-dire, si Jésus échappe, nous aussi échappons. Si la malédiction n'a pas de cause sur lui, elle n'aura pas aussi de cause sur nous. C'est pourquoi je t'invite dans la semaine. On va entrer à l'étape où nous allons parler. Sur l'enchantement ne paie rien contre Jacob. Et il a dit, moi, et qu'on apprend son visage pour pouvoir aller en société. Même s'il n'a pas prié la nuit. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse richement. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, quand nous
mourrons avec Jésus. Et vous allez beaucoup faire sur Christ. Pour se couper le monde. C'est là où il y a eu des problèmes. Est-ce que moi réellement tiens moi avec Jésus? Comment quelqu'un, nous nous sommes posé la question. Comment quelqu'un peut entrer dans les célibataires? Je l'ai dit quand il m'a dit au compte au cas de sa vie plus pire qu'avant. Bon, on est dans ma pili et bon, il m'a fait pour les gens. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, les gens qui passent au matin, ne vivent pas l'expérience du Saint-Esprit. Est-ce que nous nous posons cette question? Mais tout le monde va voir. Donc, à continuer la maille à qui il paie au mot. Il entre dans les eaux du baptême et il sort de même. Est-ce que les écritures se contredisent? Ma première, ils allaient tout le temps. Non, nous nous posons la question. Ils vont être les mêmes plans avec Christ. Et vous avez été mon corps à Jésus. Quand on te voit, tu es conforme à l'enseignement. Au compagnon, il a dit ici. Soyez bénis au nom de Jésus. Au papa, la maman, au fou, soyez richement bénis. Au papa, la maman, au fou, le guignon. C'est ça les grands problèmes. C'est comme ça qu'on est allé dans la doctrine. Parler de l'amour de Dieu. Quand on voit dans la vie d'une personne, il n'a pas l'amour même pour son prochain. Celui-là ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Car le frère Jean dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Non, les gars, le voisin que tu vois. Parce que les gens ont dit. Nous avions dit même dans la semaine, en fait, il faut faire très attention avec les hypocrites. Si quelqu'un continue avec la sémence de l'hypocrisie, peut-être qu'il a aussi la sémence de la sorcellerie. Parce qu'il faut avoir le courage de dire à ton frère la chose que tu lui reproches. Il faut avoir le courage, frère. Pourquoi quand la personne part, Que le Seigneur nous soit favorable. Que le Seigneur nous soit favorable. Et je suis votre frère. Il faut accomplir l'écriture. Il ne faut pas me haïr. Je suis en train de rappeler à Rebecca. C'est que Abraham m'a demandé de dire. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Je disais que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Je sais que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce matin. Et c'est comme ça qu'on a aussi dit. Si nous sommes devenus un en Christ, c'est qu'en Christ Jésus, il n'y a plus de discrimination. Discrimination ne peut pas exister. Dans l'église, vous voyez, les clés de Topoké est à côté. L'eau là, Topoké est à la terre. Le ciel et les bassins pour sous des mailles d'eau n'existent pas. Ça n'existe pas. Ça m'a imposé ma frère Dieu, merci pour c'est ma frère. C'est Dieu qui m'a imposé de doter la scène comme mon frère. Il faut l'aller pour moi. Je dois l'aimer pignon. Il y a mon moniteur, Noah, quand il s'accapitoué, il n'a pas dit à Arche, il n'a pas dit à la terre. C'est pourquoi quand Noah fait entrer les brebis dans l'arche, les brebis ne peuvent jamais. Parce que ce qu'on a dans l'arche, comme on a l'a nous. Parce que tout ce qu'il y a dans l'arche, c'est l'amour. Attends, il m'a dit à Mata qui Golia, et l'autre, on est. Parce qu'à l'extérieur, le lion. Il n'a pas dit à Arche, à Golia, les brebis, mais dans l'arche, parce que nous avons dit ça. Parce que là, il y a le règne de l'amour. Est-ce que nous sommes dans l'action? Amen. 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 Amen
Moi, le lion, je suis un carnivore. Dans l'arche, la nourriture a changé. C'est pourquoi nous nous fatiguons. Nous venons le mardi, le jeudi, dimanche, et le dimanche également. Nous mangeons seulement la même nourriture. L'agneau. Moi, n'en pas. Avec les ailes de ma mère. Nous sommes toujours le jour. Ils sont pour la nuit, ils sont pour la nuit. On pose la question, c'est pourquoi vous n'arrêtez pas. Nous répondons à qui irions-nous. Pourquoi vous ne pas c'est à toi qui a les paroles de la vie. Quand on est pour moi, nous sommes des péchés ici, frère. C'est Jésus dans un seul mot. Et pas de l'amour, frère. Pour l'imbondé. Si tu ne sais pas, tu es loin de Dieu. Ce côté qui connaît, aux hommes aussi dans un loin de Dieu même. Aux hommes aussi pas pesant. Je ne t'ai jamais connu. Et lui, on va dire que vous avez quand tu es très calme là, ça me réjouit. Il n'y a pas de discrimination dans les enfants de Dieu. Soyez richement béni. Soyez richement béni. Depuis le système du genre. Le lego, il y a quoi ça? Frère, vous priez d'abord. Bon, vous gérez d'abord. Bien nous, bien nous, quand on gère. Bisous dans mon qui là. Nous quand on priait. Bisous dans mon nous non, moi je connais quelqu'un. Va l'aider des commandements. J'ai les Israélites. Et papa n'est là. Il s'appelle Caleb. Comment on est Caleb? Quand ils sont arrivés à Cana. Quand on va commencer à Cana. Quand ils réclamaient la montagne. Quand on sait la montagne. En ces temps-là. Il a tant qu'on a. J'avais 40 ans. Zagina me dit tout. J'étais fort. Arrête avec ces slogans là quand nous étions. Donc tu es déjà. Parce que nous sommes bon. Vivants, nous continuons. Nous disons, nous continuons, nous aurons la force. Nous avons besoin de couper, c'est ma passion. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux bouger la main. Que le Seigneur vous soit favorable. Vouloir payer la vie, non? Donc en Christ Jésus, il n'y a pas de discrimination. La victoire de David est écrite notre victoire. Tatine. Et l'homme va dire Isabelle et l'homme à la mission. Directement, ça devient notre victoire. Mais la mort est commis et l'homme à la mission. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est comme ça que nous avions dit. Ça devient ta victoire quand tu deviens aussi le sanctuaire de Dieu. Et commis et l'homme à la mission. Somme 114 dit ceci. Mon canal, mon camp et l'homme. On devient le sanctuaire de Dieu. Quand on s'éloigne des gens barbares. C'est très important, frère. Quand on s'éloigne des gens barbares, on devient la propriété privée de Dieu. C'est comme ça que dans la semaine on a dit. Bon, il y a des gens qui représentent toute une maison de routes. Quand seulement tu les rencontres, toi so, tu suivis à toi l'étoile. Mais quand tu les rencontres, l'étoile disparaît. Depuis que Dieu est venu sur ma vie, tu n'arrives plus à venir à Oukine. Mais malin, malin, tu commences à chanter les chansons des fa et des fées. Bon, crucifié, frère. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, papa, il faut s'éloigner des gens-là. Et bon, mieux que les moustiques à toi. Disparaître de l'étoile. Et tu vas te perdre. Or, quand tu te perds, c'est aller dans le bima, là où il y a la fausse adoration. Ok, on appelle ça 100% de bima. Parce que l'étoile a pour objectif de nous amener vers la vraie adoration. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Alors, en parlant de la conformité à Christ, c'est comme ça que nous avions marché dans les livres des autres. Remarquez ceci. Moïse est sur la montagne. Tu vois, c'est je ne vais pas beaucoup parler. Parce qu'on doit vraiment prier. Moïse est au-dessus de la montagne. Remarque très bien les mouvements. Là, c'est l'Éternel. Qui lui donne les détails.
table de Dieu. Qui a fessié ma mise en valeur. Écrite par l'Éternel lui-même. Oh, et comment m'inanier. Ça avait pour l'objectif. C'est qu'il a été là. Et Moïse descend avec au bas de la montagne. On sait qu'il est dans la montagne, c'est en bas. Là où il y a le peuple. Quoi, puis il y a des hommes. Mais quand Moïse descend. C'est comme ça qu'il dit. Avant d'avoir que Moïse descend. Il y a des hommes. Là au bas de la montagne. En bas, on a assez. Le peuple a commencé à murmurer. C'est pourquoi je voulais te dire. Les murmures sont une grande porte pour que les Lévites t'attrapent. Il ne faut jamais murmurer. Quand tu as Dieu, il faut garder l'espoir. Et puis quand tu as Dieu, il ne faut pas être impatient. Les peuples devenaient impatients. Il a dit à Aaron. Parle-lui à Mosé. C'est là où il est parti. Nous ne savons pas. Tu as maintenant, Aaron a ramassé ce que toi aussi tu ne laisses pas là. Il a ramassé ça. Et Aaron a commencé à ramasser du nouveau lieu. Il a dit que tu as dit que tu as entré à porte à l'oreille. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils arrivent à la porte de l'église, ils enlèvent leur boucle d'oreille. Après avoir quitté cet endroit, à la tire, il met à bord cela sur ses oreilles. Ces gens-là sont très dangereux. Pour être basalinda ou y a Héroda. Si tu t'attaches à lui ou à elle, directement ton étoile disparaît. Et s'il n'y aura pas d'amen, nous allons nous supporter. Dis-nous, Seigneur. Soyez bénis. Nous avons rencontré un pantalon à être ciré. Tu vois quelqu'un qui vient avec son pantalon qui est très serré. Dès qu'il arrive là au coin, on a commis par vie. Et là, c'est maintenant son parvis, il va se laver. Il passe dans son kiff, il met le foulard dessus. Dieu te voit. Devenons une même plante avec lui. C'est le fardeau que j'ai laissé faire. Soyez bénis au nom de Jésus. Au pas pour la main, comment est-ce que soyez abondamment bénis. Au pas pour la main, nous aurons la main à casse. Nous les voyons plusieurs fois. On a pas ta moto pour la coin. Il verra quelqu'un là au coin de la venue. On a pas quitté la moto. Et qui descend sur la moto. Mais le moto, docteur Joseph, combien il n'y a pas de problème. Directement, il se sent mal à l'aise. A Kandi, je s'appelle Maïs aussi Maté. Ça commence à voiler son Isabelle. Commence à serrer. Parce que l'objectif est ça qu'à ma foulard. Parce que son objectif c'est de voiler la tête. Jezabel est tellement mon nain dans mon dos. Ici, c'est le problème de devenir un seul plante avec Jésus. Que le Seigneur te soit entièrement favorable. Ça, c'est aussi le fruit de l'impatience. Qui t'a dit que le mariage viendra quand tu vas porter les mèches? Ah, il dit que ça viendra quand tu porteras les mèches. Quand tu vas porter le pantalon, c'est là vraiment le mariage. On l'a dit robot. Que le Seigneur vous soit favorable. Alors, remarquez. Botala. Moïse. Moïse. Ne savait pas ce qui s'est passé au bas de la montagne. Quand Moïse descend avec le table. Quand Moïse m'a dit à ma messe, mon bébé. Déjà au loin. Il est en train d'entendre l'Église. Moïse dira. Est-ce que l'Église que j'entends? Ce sont les cris des vainqueurs. Et ça va ou les cris des vaincus. C'est pourquoi, frère, si tu veux vivre les grandes choses avec Dieu, il faut faire très attention. Même si tu dormais, tu te réveilles. Il faut bien vérifier si l'enfant qu'on t'a donné, c'est ton enfant. Parce que l'Écriture dit, avant que cette femme puisse revendiquer l'enfant, elle a bien regardé l'enfant. Elle a dit non. Ça, c'est mes paroles. Au moins, la terre. C'est pourquoi il y a d'autres. Et ça, là-bas, le sang, il y a d'autres prières ou d'églises. À tout moment, il va compter, il va me dire, 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 il va me dire
chante moko, même s'il commence à chanter un cantique de sang, sorti ta cocotte, si tu y entres, que frère Paul a sa femme dans la soukha, tu sens que le frère Paul est au coin, il est très fâché. Quoi, pas honte, quitte cet endroit. Que Dieu le bénisse. Dieu le bénisse au nom de Jésus. Il faut bien regarder l'enfant. Bon Dieu, t'as la main à la main. Parce que c'est quand on regarde bien l'enfant. Et c'est le temps qu'on va voter la main. Et qu'on comprend qu'on a pris ton enfant. Donc, on se l'a dit, moi, on a eu. Tu iras bien revendiquer chez Salomon. Donc, on est malade, on passe à la main, on sait qu'il y a eu moi. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour pas la main. Moïse a regardé. Mon certain. Il a dit non. C'est ni l'équipe de vainqueurs. Exactement. Ni l'équipe de vainqueurs. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont des suiveurs. Et bien, il y a un peu de temps. Oh non, tu vois ta vie là. Moni, moi. Ta vie. Ah, moni, bon, moi. Pour que tu réussisses. Je connais papa. Et lui, tata, mon. Lui, lave les gens. Il y a ce rôle à ma carte. Il va seulement te lasser. Il y a ce rôle au caca. Ma. Quand c'est mal te lave. Sauf qu'il t'a pas sauvé. Tu vois quelqu'un qui a l'enseignement comme toi. Au moins, la montre, il a dit ce mot-là. Il ne vérifie pas si c'est le cri de vainqueur ou le cri de vaincu. À côté, la question des amis, tu ne le vas pas. Il doit aller à quel pays la montre. Non, frère. T'es un dévot. Les temps sont devenus très mauvais. Il faut vérifier les actes par rapport à l'enseignement. Il faut bien vérifier les actes. C'est comme ça Paul avait dit. C'est quelqu'un. Vous amenez notre Jésus. C'est ce que je vous ai prêché. Il n'est pas là où on a été. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Il comprend qu'ils ont dressé un veau d'or. Parce que ce sont les bêtes, ça n'est pas bon, mais à Wolo. Quand il voit le veau d'or, quand on va dire Wolo, il prend les pierres. Azuma, bam, 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 Na bolingate, je vais prendre une autre couleur ici. Na bozolani mon soir. C'est l'Éternel qui a donné les pierres à Moïse. Yahweh a pesa ma banga mo. Ça c'est le premier tour. Waneza malaliboso. L'Éternel lui-même est écrit sur les pierres. Et moi aussi ma banga n'a commis ni colonne. Mais ne dérangez pas. Comme il dit ça. Tout ce que l'Éternel avait écrit sur les pierres. On vient sur comment il voulait. C'est ce que nous te prêchons en un mot l'amour. Yahweh est aux autres et on a le balayon. C'est Jésus qui l'a dit. Yes, il a dit toute la loi. C'est Jésus qui a laissé le commandement. Et c'est lui qui lui est proche. Soyez aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi. C'est ce qui est écrit dans l'Éternel. Mais remarquez, l'Éternel venait de Dieu. C'était la marque déposée de Dieu. Et ça qui était 11 ans, mais il y a beaucoup de salé. Très bien. Maintenant, arrivez au bas de la montagne. Voyez le vent d'or. Et les danses que le peuple faisait. Moïse s'est irrité. Moïse s'est irrité. Moïse a oublié. Il prend les pieds. Il brise. Est-ce que quelqu'un comprend ce moment-là? Je vais y arriver et puis on va prier. Na koko ma na pete osambe. Quand il brise le pied, na wa panzi ma banga. Il dit à Aaron. Alorina, alorina. Qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Mimi ni moto basali o mpenza. Pourquoi tu commets un si grand péché? Prete obagolo sala ni sumu monene. C'est que les grands péchés dans la Bible existent. Pour avoir des sumu monene na Bible ezalaka. C'est prendre un nom de Dieu. Zali ko zanzambe mosusu. Et le mettre à la place qui ferait Dieu. Pekote esika o ya nza. C'est ça le grand péché. La bonne ni sumu monene. Lancer le comment tu as dit amen. C'est bien la même chose. S'il n'a pas lu dans les Épîtres, que dans les livres des Thessaloniciens, Dieu c'est celui qu'on adore. Dans le la Thessalonique, il y a des gens qui ont été toi, tu adores TikTok. Tu ne sais pas que tu connais un grand péché. Ici, il n'y aura pas des amis. Tu fouilles les titres pour une série de novelas. Il y a un ami pour avoir la novelas, ça s'imagine. Qu'est-ce que ce peuple t'a fait? L'imbonto
Pour que tu commettes un si grand péché. Que le Seigneur nous fasse grâce. De nous délivrer du grand péché. Je disais que le Seigneur nous délivre de ce grand péché. De prendre un autre Dieu et de le mettre à la place de Dieu véritable. Et c'est arrivé l'heure du culte. C'est lui qui envoie les clients, c'est Dieu. Tu n'as jamais dit dans la Bible lorsque Pierre a dit j'ai jeté le filet. Les poissons ont obéi à la parole de leur créateur. Toi, tu es vendeur, c'est l'heure maintenant du culte. Montre, prouve que ta façon de vendre, ce n'est pas ton Dieu. Et cette heure-là, c'est l'heure de qui tu dois aller servir Dieu. Comment les musulmans le font et nous ne le faisons pas? Les musulmans ne font pas les mises dans la route. Si votre justice ce qui est bien, la vie, ne dépasse pas celle des pharisiens, et les thèmes pharisiens le père, vous n'entrez pas. Vous pouvez garder. Comment gères-tu ton temps par rapport à Dieu? Vous allez au bon guisant, vous allez dans la vie. Est-ce qu'en d'autres termes, toi aussi, tu n'as pas dressé déjà le faux nom? Eh bien, nous sommes au tout, nous avons combien à voir le thème. Ici, les gens sont calmes. Ah, ouais, qui m'y a. Amen. Et Dieu te bénisse, mon frère. Zamba, pas bon, les gars. Ici, les gens sont calmes. Ah, bah, tu vas dire qui m'y a. Il faut pas que je suis encore là. Nazar, il est pour la haine. Je ne vais pas point vers lui aujourd'hui, je vais continuer. Je vais dire, arrête aujourd'hui. Non, non, ce n'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Je suis encore là. C'est ça le ciel. Quelqu'un qui perd plus que même comme la façon dont il perd ses péchés. Parce qu'il n'a pas les méga. Mon toiseau, il est là. Il est plein. Je ne vais pas passer, je vais encore demeurer là. Moïse a brisé les tables. Moïse a brisé, mais ça. Mais après cela, la Simanayango, le fondeur ne pouvait pas subsister. Et qui dit que ça a été brûlé. Parce que tout le monde était tout autour de ce fondeur. Maintenant, c'est ça qui zina zina. C'est moi, je vais dire à Imakoshi. Même si Aman est élevé, même si Aman a tombé, ne l'adore pas. Aman n'est pas Dieu. Aman a zanzan baisé. Et tu comprends quand j'ai dit ça? Quand je dis Aman n'est pas Dieu, tu viens pas de l'enseignement. T'as dit ça, il a dit si. L'Égyptien n'est pas Dieu. Moi, ici, je vais te dire. Toi, aussi, n'est pas Dieu. Même s'il se lave, tu ne vas pas encore le secours. Même si la maladie continue à s'élever, adore pas la maladie. Ton rédempteur est vivant. Esaïe chapitre 59. Le verset 19. C'est cette écriture qui prouve noir sur blanc. Que les hommes aussi sont appelés géants. Et tes mailles bien un peu éclatées. Même si votre ennemi s'élève comme un fleuve. Ah, c'est l'ennemi aussi. C'est un géant. Mais il prend la forme de l'eau. Il s'élève aussi comme l'eau. Mais quand il s'élève comme l'eau, il ne faut pas que tu aies peur. Même si tu as englouti, il y a l'autriche qui connaît que j'ai mon œuf là-bas. Il sait que j'ai mon œuf. Je ne peux pas l'abandonner. Est-ce que j'ai parlé à Chavac, mais Chavac, mais ce matin? N'aie pas peur de la fournaise. Il faut déclarer la victoire avant la guerre. Il faut déclarer la victoire avant la guerre. Yeah.
célibat, attention à la mariée. Amen. Même ça vous demande à bon tacaté. Ça me passe à ma les gens de l'ambassade ont commis l'erreur. Il y a combien de temps à l'océan? Et refusé seulement ton dossier. Dieu fera en sorte qu'il ne s'en va pas. Dieu va réussir dans son dossier. Toi, un enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur. L'éternel a avec lui l'or et l'argent. Le Seigneur a l'or et l'argent dans sa main. Sans ma zone, aussi, mon employé m'a dit. Il est capable de toucher quelqu'un que tu ne connais pas. Sans demande d'emploi. Sans que tu l'aies demandé d'emploi. Sans que l'on soit qu'à qui n'a jamais l'honneur. Qui t'a dit que tout le monde est ici avec lui? Qui t'a dit cela? Que nous ne sommes pas mon mari. Tout le monde pour lui. Il faut qu'il n'a jamais l'honneur. Il doit être jamais l'honneur. Par exemple, Dieu a joie à temps. Il a pris un homme. Masse et fond. Il a pris un homme. Il a pris un homme. Il lui a fait pour lui. C'est ça que tu as la boîte de Dieu. C'est pourquoi Dieu qu'il fasse que quelqu'un s'élève pour que lorsque tu parles de la foi, ça va permettre de l'eau pour la terre. C'est tout le monde. Je sens que je dois déclarer si quelqu'un. J'ai mené dire à Amman est positionné aujourd'hui. Amman a tout moment. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. C'est Amman qui va te démonter. Amman est tout le monde. Amman sera ton protocole. Amman sera qui est élevé. Amman a tout moment. Mais tu as demandé, il sera ton protocole. Là où on a fermé la porte, l'enseignement ouvre la porte. Je sens que le Seigneur parle à quelqu'un. L'enseignement fait passer quelqu'un là où il y a la porte fermée. Moïse ne s'est pas réjoui des danses. Moïse ne s'est pas réjoui de la musique. A ses peines à la beauté. Il faut faire très attention. C'est pourquoi Dieu peut bénisse les salles. Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. Le sang en a un tombeau. Le corps où t'as commencé. Celui qui vient de loin. Ça ne pas où t'as commencé pour la langue. Et Dieu vient aussi de loin pour toi. Ça là où t'as perdu la vérité. Qui te tient à l'aide. La langue a résolu. Qui te tient à l'aide. Quand on parle de vérité. On se le dit. Combien de baïdus y aurait-il? Il y a combien les églises de Dieu pour arriver ici? Combien d'églises? Combien d'églises? Mais tu as besoin de Kayango? Tu les. Au sens où je dis, c'est même ni l'écrit d'un vainqueur. Et tu te dis, ah, ça, ce n'est pas ni l'écrit d'un vaincu. Ni l'écrit d'un vaincu. Malgré la musique, malgré les danses, ah, non, c'est le bonheur. Et c'est le bonheur. Et ça y a été. Et tu as dit, non, il y a un qui t'a réveillé. Et tu as dit, non, c'est ça. Que Dieu t'a réveillé. Que Dieu t'a réveillé. Que Dieu t'a réveillé. Mais il ne faut pas oublier tout ce que je parle ici, c'est les songes. C'est les songes seulement. Quand Moïse a reçu la table en bas de la montagne. Maintenant Moïse prendra les tables en bas de la montagne. Nous avons le mouvement de Frédéric. Oui, je le vois. Très bien. A reçu la table en bas de la montagne. Il prend les tables en bas de la montagne. Pour la deuxième fois, ce n'est pas Dieu qui les a donnés. La table en bas de la montagne. Suis-moi très attentif. Ça, Moïse. Et moi, c'est ça, Moïse. Ça, la table.
Fais-toi les tables. Conformément aux premières tables. Pour la deuxième partie, le fait. Qui a fait cela pour la deuxième fois? Pour la première fois, qui a fait? Au-dessus de la montagne. Et pour la deuxième fois, c'est Moïse qui le fait au bas de la montagne. Ces choses sont seulement dans les assemblées des saints. C'est quoi l'on a insisté? Et maintenant il insiste. L'Éternel a insisté. Il a insisté là-dessus. Il y a un moment de ça va dans la doctrine. Pourquoi tu vois la vie est dans la doctrine? Parce que la doctrine, l'insistance, c'est Zali. Parce que dans la doctrine, il y a de l'insistance. Ça va insister. Dieu a insisté. Amité. Il a dit. Ma papa wana. C'est bien là. Ça attaque à l'orgueil. Que ça soit de la même manière que les premiers dieux. Yo si bon pour le moi, mon assez. Toi, tu le prendras de la terre et tu vas de la montagne et tu vas monter avec là au-dessus de la montagne. Amen. Lorsqu'il monte avec, c'est alors maintenant. Dieu viendra pour la deuxième pierre. Pour dire les premières pierres et les deuxièmes pierres. Qui a écrit? Je t'écoute. Qui a écrit? Pour dire que Dieu écrit très bien. C'est des battements qu'on m'a trouvé au bon matin, jamais est facile. Les hommes peuvent dire. Les gens ont dit que tu n'iras pas de l'avant. Moi, ça ne loue pas. Il y a des femmes prostituées qui m'appellent. Cette femme m'appelle, je ne comprends pas. Parlez à vos fous, on est venu la parce que la loi était. Et ils n'ont jamais compris. Parce que la loi était un pédagogue. Parce qu'il y a un moment où David était pédagogue. Ça venait vers Christ. Ah, comme on a vu, c'est pas Christ. Ce sont des bonnes personnes. Ils sont dans l'enseignement des temps que nous avons mal au monde. Amen. Pour la loi, ça dit pédagogue, que sont mes mères Christ. Oui, t'es mon père, vous allez voir la question d'aller au travail, vous n'avez pas à Christ. Si elles sont mes mères, elles sont fondes. Là, il nous amène et il nous acquise directement. Tu connais cette histoire très bien. Et là, c'est Dieu qui a montré que c'est lui qui a écrit pour la désespérance. Amen. Ça va comment va l'emballer? Dieu écrit deux fois. En vous, maman, quoi? Et c'était qu'il est pour écrire. Et lorsqu'il s'est levé. Alors, ça va comment la vie? Que Dieu écrit dans ta vie. Colossiens 2, verset 20, maman. Vous connaissez ça ouverte, frère. Très ouverte. Il a décrit l'acte. Dans les ordonnances, on condamne. Mais on a dit que vous avez un raisonnement et tout. Qui a fait ces ordonnances? Répondez-moi, qui a fait ces ordonnances? On n'a pas condamné. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut s'en aller? Tu peux balancer la main. Je veux sentir pour ça que ça. Je sens ce sentiment de prière. Et j'interprète dans les sons, je puis nous allons prier. Les pierres viennent du dessous, au-dessus de la montagne. Et ça descend. Mais ces pierres sont prisées au bas de la montagne. Si tu demandes à ces pierres, pourquoi tu es brisé? À cause du grand péché. Et ils te répondront que c'est à cause du grand péché. Ils sont loin de moi. Les pierres qui viennent de dessus de la montagne. Est-ce que c'est Moïse qui les a fait? Non. C'est Dieu même qui les a taillés. C'est pourquoi tu dois faire ça. Jésus est à 100% Dieu, mais 100% on était. Jésus est à 100% Dieu. Il ne faut pas répéter cela encore. Jésus est l'ouvrage de Dieu. Maintenant, il y a une écriture. Je dois pas être en paix valant, je dois te donner l'écriture. Esaïe 53. Au Canaan Esaïe. Parce qu'il y a besoin d'informer que mon parent est Jésus. Parce que je t'informe que c'est Pierre, c'est Jésus. Que Dieu te bénisse richement. Esaïe chapitre 53, dans une naissance en péage. Au Canaan Esaïe, on va tout mettre en péage. Nous lisons ensemble, hein? Nous lisons ensemble. Dans la version 8 secondes. Le verset 5. On le voit évidemment. Donc, il est long. Mais il était blessé
pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Pour dire que ces pierres-là, c'est qu'on a pris au bas de la montagne. C'est toute une personne. Son nom c'est Jésus. Et si tu poses la question pourquoi on les a brisés, à cause du grand péché. C'est à propos d'aller sous mon aile. Docteur Alain, la prophétie m'appelle, mais nous avons déjà dépassé l'heure. C'est que maman les agissait. Pour dire que ces pierres-là, c'est Jésus. Mais remarquez, nous avons chuté là. Mais maintenant, je vais chuter par ici. Maman, nous avons chuté là où tu as la marée. Il y a d'autres pierres qui doivent quitter le cercle. C'est venu au bas de la montagne. Pour dire qu'il y en a assez à mon bas. Mais on nous a dit que ces pierres-là doit être conformément au premier. Au premier. Dieu a besoin de dire que c'est toi. Tu dois te conformer au premier. Si tu es conformément au premier. Les paroles qu'on a conformées. Si je suis un peu toi aussi tu vas faire ça. Si je suis un peu victorieux, toi aussi tu seras victorieux. Mais le problème, Zalam Abanga. Soit les pierres, le lengue moko, au premier. Ici, je dois poser maintenant les choses. Je dois poser maintenant les choses. Les gens qui viennent de la terre, ils partent de l'avant. Ils montent au ciel. Ce n'est pas pour les pères. Sinon, Joseph sera aussi. Ils étaient nombreux. Mais Joseph. Joseph. Par la monnaie que nous avons présentée par roi. Quand il a dit qu'il nous a dit. Il a fait de te comprendre. Pour dire que. C'est ça le ministre. C'est le ministre va faire. Il vous dit que ça va avoir mon caractère. Les ministres. Le peuple saura connaître, on aura la connaissance de la loi. C'est à travers ce que Dieu a été sur toi. Je descends d'abord sur le ministre. La vie et la maison de Dieu doivent prêcher l'évangile. Voilà pourquoi. Avant les gens, vous voyez la chose. Et sa maison. Fouettez l'évangile. L'évangile. La fête de Dieu à l'évangile. À la fête de Dieu. La vie de la fête de Dieu. Et la maouana. C'est la vie. Ça prêche l'évangile. La basse soirée. Moi, je suis pas mon mari. Et je vais venir par ici. Voilà les limites à la pizza. Là, tu dois mettre ça. Si madame la semaine, mais nous autres touchons mon cœur. J'ai doucement une paix parce que nous avons. Aussi longtemps que c'est Moïse, ça s'en a quatre chapitres. La prophétie, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il y a un Moïse qui le maintient. Il y a un Moïse qui le maintient. Si Moïse monte seulement, vous ne l'avez pas. C'est pourquoi je crois que ce jour-là, le Moïse qui va monter, c'est seulement. Moïse, il faut m'attacher dans le livre de Moïse. Moi, c'est comment je précise. Et aussi longtemps Moïse a ça. Donc que Moïse est encore là, vous donnez vous animer. Les vaudons ne seront pas confiants. Et toi aussi, dans votre quartier, dans votre quartier, ça là, ça. Dans les sauvages. Vous imposer les règles de Jésus. On dit qu'on t'a mis ça au nom de Jésus. Non, bouge. Ce qui va bouger, c'est ce que je vais bouger. Tout ça, on a tout.
sont sans cause. Il a tenu ma peuse à la tina. Lève-toi, nous avons. Lève-toi, nous avons. Lève-toi, nous avons. Même si tu peux me poser la main de Dieu dans ton travail. Dès qu'on a dit au micro, il s'en fait pour un zambé à la tête de sa tête. Il faut qu'on parle de Dieu pour la casse. Tu dois craindre cette écriture. Est-ce que lui, que le locataire, on peut me ma dégâts de temps pour mouiller les pieds? Amen. Mouiller les pieds, frère. Ôtez les mains. Ce matin, nous allons prier Dieu. Il vient intervenir dans ma façon, dans notre santé, dans mon travail. Aucun vol d'or ne se lève. Il y a quelqu'un qui est ensemble avec moi.
temps c'est vous. Par rapport à ton problème. Come on.
Il y a quelques années.